Et la première possession de ce match, elle va être pour le Paris Levallois et pour James Florence. Malay Ndoye, Charles Cahudi. Jason Rich. Le ballon à l'intérieur pour Louis Labéry. Il la récupère. Et Langford qui a raté sa première tentative. Bonne entrée quand même de Paris Levallois qui cherche à s'imposer à l'intérieur. Le duel. Cahudi face à Malay Ndoye. Et la première faute sur la star côté Villeurbanne, arrivé à l'intersaison, Charles Cahudi. Vous avez vu ça, il a quand même joué le mismatch, pas par rapport à la taille, mais par rapport à la puissance, parce que Malay lui rend quand même quelques centimètres. Mais voilà, il a joué en vitesse et en puissance. Premier lancé pour Charles Cahudi. Que l'on a vu très très bon lors de la victoire sur Machette Sport de Villeurbanne sur le parquet de Strasbourg. On a vu que offensivement, il était prêt pour prendre une nouvelle envergure cette saison. Ces deux premiers points vont le mettre en confiance. En plus, on va scruter le comportement de James Florence à la main. Jason Rich. Il a eu beaucoup de mal dans ce début de saison. Le jeune américain face à Trenton Mitchell. Bonne passe. Ouais, bien joué ça avec Langford qui n'a pas pu ressortir ce ballon. Et du coup, eh bien, Malay Ndoye est obligé de faire une nouvelle faute. Malay Ndoye, c'est déjà sa deuxième faute. C'est une petite catastrophe personnelle. C'est sa deuxième faute, mais Langford ne lui fait pas un cadeau. Là, je pense qu'il aurait dû prendre le petit tir. Un petit cadeau empoisonné. Et j'imagine qu'Antoine Rigaudeau va procéder à un petit coaching. DJ Newbill qui fait partie des Américains aussi qui ont beaucoup de choses à démontrer. Livio Jean-Charles avec Anderson qui a coaché par Louis Labéry. Dunké, magnifique contre de Louis Labéry. James Florence, c'est pas payé ça parce qu'il était bon ce drive. Ça a été nettoyé par Anderson. Ailo. Le ballon avec Livio Jean-Charles. Deuxième contre. Et deuxième contre déjà de la soirée pour Louis Labéry qui a l'air chaud bouillant. Louis Labéry de l'autre côté. Ah, il en a trop mis malheureusement, mais c'était bien joué. Il a essayé de jouer Anderson en première intention. Toujours pas de points pour le Paris Levallois. Comment ils vont défendre sur Anderson? Là, il le laisse ouvert, c'est une grosse erreur. David Anderson à 3 points. Celui-là, il est court. Anderson, il est court, mais ouais, c'est un sacré pari qu'ils font Paris là pour l'instant. James Florence. Il a marché là. Il Jackson, il est pas content, je crois qu'il a un petit marché. Jason Rich, il a pris la ligne de fond. La passe, elle n'est pas assurée. Ça va être un 3 contre 1. Facile a priori. DJ Newbill qui est allé dunker. DJ Newbill qui met tout de suite ses deux premiers points. Il en a besoin. Il a la recherche de confiance. Ça fait 4-0 pour l'ASVEL. Déjà deux pertes de balles côté Paris Levallois. C'est pas vraiment la meilleure entame de match pour se rassurer. Louis Labéry face à David Anderson, la bonne prise à deux avec Livio, Jean-Charles, James Florence. C'est compliqué ça, c'est compliqué dans le trafic. En plus, Kevin Langford, il dirait qu'il a mangé une choucroute il y a une heure là pour l'instant. Il n'est pas vraiment concerné par ce qui se passe. Et cette passe-là, il n'avait même pas senti venir un seul instant. Malheureusement, il n'était pas prêt à recevoir la passe de Florence. Mais c'est dommage parce que Paris défend plutôt correctement, mais pour l'instant, ils ne sont pas payés en attaque. C'est exactement ce qu'a dit Claude Bergeau, l'excellent consultant de Machine Sport tout à l'heure. Les coachs ont souvent raison. Paris a un souci en attaque. Anderson, David Anderson, Gamel. Et le rebond de Louis Labéry. Louis Labéry, là, il est parti pour faire un match énorme. Louis Labéry, défensivement, est déjà très, très précieux pour le Paris Levallois avec ses deux contres. Jason Rich. Louis Labéry, il prend le shoot. Louis Labéry, il met dedans. C'est le go-to guy en ce moment côté Paris Levallois. Il faut le servir. Il a faim, Louis Labéry. Newbill contre Tom Mitcham. Encore un pick and roll avec Anderson. Sur le changement, vous avez vu, Jason Rich a retenu le bras d'Anderson parce qu'il lui a fait croire qu'il allait sortir, mais finalement il a roulé au cercle.
Allez. Tout petit match pour l'instant en attaque de la part des deux équipes. 4-2 pour l'Asvel. 3 minutes 30. On ressent quand même la tension. Hein. Mais tiens. Oui, parce que l'Asvel a perdu hein, à Cholet. Face à Cholet, pardon, à domicile. Ouais, c'est deux équipes qui recherchent la confiance. Là, c'était la guerre au rebond et la faute, elle a été donnée à Mehdi Laberry. Alors, vous allez me trouver un peu. Mais voilà, moi, j'aime bien l'engagement de Mehdi Laberry. C'est de ce genre d'état d'esprit que je vous parlais. Donc, voilà, on sent que. Qui veut bien faire et qui met de la bonne volonté, et je suis pas sûr pour moi en tout cas qui est faute. Anton Mitcham, ouais, bien joué, transfert du ballon pour Sean Kaili. Et il y a un marché de l'ailier international sur le marché départ. James Florence face à Trenton Mitcham. Deux petits points inscrits pour le Paris de Valois en 4 minutes. Jason Rich. Oh là là, ouais, magnifique. Jason Rich, oh, il était parti pour nous mettre le dunk du début de saison. Jason Rich, malheureusement, il a échoué. DJ Newbill. Oh, oh mon Dieu. Le contre, ils étaient deux. Ils étaient deux pour mais le stopper. Pourquoi il a sauté Florence? Laberry allait le cueillir. On va revoir ça. Derrière, il y a Mehdi Laberry qui a scotché. Louis Laberry, pardon. Je vais avoir tendance à dire Mehdi parce qu'il y avait un Mehdi Laberry il y a quelques années dans le basket. Louis Laberry. Il y avait même une deuxième lame avec le jeune Cyril Elizer Vadro qui était là. Que c'est dommage parce que voilà, ça nous enlève un magnifique contre. Et là, nous avons Jean-Pierre Souta, président de la Fédération française de basket. Bien accompagné. Côté de Gaël Millon, notre consoeur de l'équipe 21, qui est venu au match. Oh. Est-ce qu'il shoot, Flower? Vous voulez l'appeler Flower si vous voulez, mais c'est Florence. Florence. Ah, faut s'y faire à tous ces nouveaux mais Américains. Des... Mais Flower, savez, c'est joli. Hein. Mais vous savez, moi j'ai un truc. Hein. Quand j'ai du mal avec les noms, moi, c'est par le numéro. Voilà, comme ça. Bon, il a le numéro de Michael Jordan, ça va aller. Trenton Mitcham, très bonne passe de contre-attaque. Il allait haut. Il allait très haut, le rebond pour David Anderson et ce petit hook, la magnifique main gauche. Cette fois, Mehdi Laberry. Oh, j'arrête pas de l'appeler. Non, c'est Louis Laberry, c'est Louis Laberry, mais... Entre Flower et Mehdi Laberry, on va pas y arriver. Hein. On va pas y arriver, mais Anderson, ce que j'apprécie dans son jeu, c'est que voilà, c'est les feintes, c'est la gestuelle. Pour son envergure quand même, il faut dire il est assez quand même agile. Allez, 7-2 pour l'Asvel. Et le Paris de Valois qui n'arrive pas, Florence, à se rassurer en attaque. Florence, il est parti. Oh là là là. Louis Laberry, omniprésent au rebond. Parti pour faire un match énorme, Louis Laberry. DJ Newbill, il met dedans, je trouve bien mieux, hein, DJ Newbill. Louis Laberry qui l'a oublié un petit peu au passage, sur le pick and roll, regardez, il se montre pas. Très bien vu de la part de l'arbitre, je vous disais, une très bonne patrouille ce soir, ils verront tout. Remplacement sous nos sorti de Jeff Laurent, applaudissement à Steve. Et l'arrivée sur le parquet de la nouvelle recrue donc du Paris de Valois, signé pour 2 mois, Steve Chikambu. Rich. Oh, Jason Rich, ça va rentrer, non. Pas de réussite pour l'ancien Chalonnais. Trenton Mitcham. Il a failli perdre ce ballon, Trenton Mitcham. Et oui, allié à la petite reprise. Petite reprise de dribble. J'avais l'impression que c'était sorti. On aurait pu lui siffler le pied, malheureusement, mon ancien coéquipier. C'est dommage. Allez, petite reprise de dribble.
5 points d'avance pour l'ASVEL. Et tous les ballons passent par Jason Rich. Hein. On le cherche beaucoup. Il est face à Newville. Jason Rich, le scoreur du Paris Levallois. Magnifique ce petit shoot. Magnifique fadeaway. Là, il y a un scoreur, il n'y a pas de doute. Il y a scoreur, mais il ne faudrait pas qu'on s'appuie que sur lui. Il faudrait que les autres arrivent à tirer leur épingle du jeu aussi. Mais pour l'instant, il faut que Paris mette des points. Andersen qui va travailler. L'activité en défense de Jason Rich qui a fait une faute là. Est-ce que c'est Jason Rich ou Lanfort qui a fait la faute? Ah ouais, vous avez raison, elle était donnée au pivot. Ils ont sifflé la faute sur la position. Ouais, il avait trop le coude. Et ensuite les mains sur lui. J'ai cru que c'était là. Mais la faute elle est bien pour Kevin Lanfort qui a du mal pour l'instant, le pivot du Paris Levallois. Allez, Andersen sur la ligne des lancers. David Andersen. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez David, mais on voit vraiment que ce soir on a deux équipes qui sont quand même un petit peu en manque de confiance, mais qui essayent de bien faire. Voilà, on voit de la bonne volonté des deux côtés du terrain. Et au moins, ils ont le mérite d'essayer d'élever le niveau. Un point, David Andersen. Il a mis les deux lancers, David Andersen. Ça fait 5 points d'avance maintenant pour l'ASVEL. Chikambu. Il est rentré dans le trafic. Chikambu, un premier ballon pour essayer de se rassurer en attaque. Il a pris son rebond. Bien sorti ça pour Jason Rich. Et il prend sa responsabilité tout de suite. C'est court. Rebondi DJ Newville. DJ Newville, il était parti dans quelque chose de compliqué là. Il va s'en sortir avec la faute. C'est dommage que Lanfort ait fait cette faute. Il allait s'empêtrer dans la défense là. Il a noté au passage quand même les super chaussures de Chikambu, bien flashy. Au niveau de la mode, il sera là, hein, Chikambu, il n'y a pas de doute. Allez, DJ Newville. Il met le premier lancer, je le trouve beaucoup plus à son avantage, Newbill, que lors des premiers matchs de la saison. Avant ce match-là, DJ Newbill, c'était 1,5 en 13 minutes pour une éval de 0. Ah bah voilà. Et là, il a mis ses deux lancers francs, il est bien mieux ce soir. Tant mieux pour lui, tant mieux pour l'ASVEL. Chikambu, qui est en face d'Edouard Choquet. Watkins. Chikambu avec ce ballon bien. Il va la lâcher et DJ Newbill qui va. Oh là là, il a raté le lay-up DJ Newbill là. Il est arrivé très très vite, il n'a pas réussi pourquoi à contrôler. Pourquoi il ne l'a pas dunké? Il nous a montré qu'il était facile tout à l'heure, c'est dommage. Ah, encore se un rattrape. Ballon perdu. Est-ce qu'il va la dunker cette fois-ci? Eh oui, je vous le dis. Eh ben voilà. Et voilà le dunk de DJ Newbill. Eh ouais, mon gars. Et le temps mort, bien évidemment, demandé par Antoine Rigaudeau. Là, ça devient inquiétant côté Paris Levallois, le nombre de ballons perdus du Paris Levallois ce soir. On va aller écouter Antoine Rigaudeau. Ça s'arrange pas pour l'instant pour le PL. Ils sont à 5 ballons perdus. 5 ballons perdus déjà et 6 petits points inscrits seulement. Sur la transition. Avec de la patience. Avec de la patience. Et plus agressif. Plus agressif. Let's go. Let's go. Let's go. Come on, let's go. Let's go. Good screen. On voit le lay-up raté par DJ Newbill. Et puis la deuxième fois, il ne s'est pas posé de questions. Eh oui. Il a écouté tonton Johan Passaf Duteil et il est allé claquer un beau petit dunk. Non mais il faut plus qu'il se pose de questions, il faut qu'il y aille. Il a les qualités pour le faire. Personnellement, je sais que ça arrive de louper des lay-ups, mais voilà. Il a mis le troisième, c'est le plus important. Et il est à 9 points, DJ Newbill. Il fait de très très loin son meilleur match avec l'ASVEL. Chikambu qui porte un peu le ballon là.
Et il y a eu une faute d'Edouard Choquet. Le souci du Paris Levallois actuellement, c'est la finition. Alors, il se crée des situations, mais il n'arrive pas à concrétiser. Et de l'autre côté, on a l'ASVEL qui a du jeu rapide, qui fait bien vivre le ballon. Ticambou avec Louis Labéry qui a dégainé à 3 points. Il est largement capable de mettre des shoots comme ça. Louis Labéry, là, c'est ressorti. Et la traversée du tunnel se poursuit pour le Paris Levallois dans ce premier quart temps. Hawkins. Edouard Choquet. Avec David Lighty face à Jason Rich. Les deux scoreurs face à face. Bien joué. Bien sorti ce ballon pour Nicolas Lang. Il a collé par cœur cette salle. Là, il a échoué à 3 points. Il a échoué. Shooter de l'ASVEL. Et ils s'en sortent bien, le Valois, parce que Nicolas Lang, tout seul quand même à 3 points, c'est dedans. Landing Sané, toujours pas de réussite côté Paris, le Valois. Mais c'est un shoot qui a été pris un peu rapidement, peut-être là. C'est pas comme ça qu'ils vont se rassurer. Les joueurs du Paris de Valois. David Lighty, c'est très très court ce shoot et le rebond pour Cyril Elizer Van Roo. Jason Rich qui demande de l'espace pour jouer le pick and roll. Oh, magnifique. Bien joué, le transfert du ballon. Elizer Van Roo. Et ça, c'était un bon shoot. Et Jason Rich qui est obligé de jouer à la fois meneur, mais il fait tout. Trop. Que les rebonds pour l'instant qu'il ne prend pas. On voit clairement que Nicolas Lang accroche Sané au moment du rebond. Et comme je vous ai dit, et je vais me répéter, mais les arbitres voient tout et c'est bon. Ah, vous nous avez prévenu avec ces arbitres-là. Il n'y a pas moyen de faire des petites fautes discrètement. Allez, Landing Sané. Sur la ligne des lancers, il faut les mettre là. Le Paris Levallois va prendre tout ce qui dépasse. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui dépasse dans ce premier carton. 8e point seulement inscrit par le PL. C'est inquiétant s'ils n'arrivent pas à mettre au moins 10 points avant la fin du premier carton. Nicolas Lang qui joue davantage de time, mais il a perdu ce ballon. James Lawrence. Mais une fois de plus, un Paris défend plutôt bien quand même. Louis Labéry avec Stichy Kambou. Stichy Kambou qui prend un shoot dans le périmètre et il le met. Ça va lui faire du bien. Vous avez vu comment il a réduit la distance sur Edouard Choquet avant de prendre le shoot. C'était pour essayer d'avoir la faute. C'est ça spécial un peu. David Lighty avec Nicolas Lang. Edouard Choquet, on a servi Daryl Watkins qui est beaucoup plus grand que Landing Sané qui fait pourtant déjà 2m4. Watkins, c'est un petit phénomène physique. Hein. Je peux vous dire, quand vous le prenez dans le buffet, vous le sentez passer, Watkins. Il arrive de Chalon-Reims. Le pivot de l'ASVEL. Il a tapé dans l'œil des dirigeants de Lyon-Villeurbanne lors de son passage en Champagne. Daryl Watkins, 2m11. Il a la particularité d'avoir déjà croisé son patron lors d'une Summer League, Tony Parker, puisqu'il a été rabâché avec les Spurs. Ah, ça, je savais pas ça. Il y a cela quelques années. Avec les Spurs de San Antonio. 30 secondes encore à jouer. Louis Labéry, Stichy Kambou. Et il le connaît bien, son ancien coéquipier. Il sait qu'il défend pas très très bien au niveau de la latéralité. Et il le joue toujours. Il a même réussi à le frustrer. Une bonne rentrée, hein, Stichy Kambou. Il apporte un peu de maîtrise technique au Paris de Valois. Et d'expérience, surtout. Et il a mis le premier lancé. Ça y est, Paris a passé la barre des 10 points. 12 points, 5 points de retard, il n'y a rien de dramatique pour le Paris Levallois, mais tout est compliqué en attaque et on se remet à des exploits de Stichy Kambou ou de Jason Rich quasiment systématiquement. Et ça, évidemment, ça ne va pas pouvoir durer 40 minutes.
Edouard Choquet, les 10 dernières secondes. On va aller au bout de la possession. 7 secondes. Edouard Choquet. Bien évidemment qui va jouer Landing Sané. Oh, mais il y a Louis Labéry qui est arrivé derrière pour son troisième contre du match. Oh là là, Louis Labéry. Quel premier carton. Très aérien. Magnifique. Bâche. Et je crois que dans ce contre, c'était not in my house. Exactement. Quel contre.